Good morning people, il est actuellement 7h37, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On commence par le ginger shot, pomme, gingembre, citron. Aujourd'hui c'est le 1er septembre, donc c'est la rentrée, on reprend un peu les bonnes habitudes et ça passe notamment par l'alimentation. De retour dans mon ancienne chambre pour me préparer, me maquiller. Je me prépare pour aller travailler. Donc là je suis encore dans mon job étudiant, dans mon job saisonnier, et il se termine dans une semaine. En fait à la base j'ai décidé de vous vlogger, de vous emmener avec moi, parce que ce week-end c'est la braderie à Lille. Pour dire les termes, c'est la plus grande braderie d'Europe. Vous vous imaginez un petit peu l'ampleur du truc. En tant que lilloise, je me dois d'aller faire la fête à la braderie. En plus, toutes mes potes qui ont repris les cours et qui étudient à l'étranger, elles reviennent toutes ce week-end. En fait, la braderie, c'est du coup le premier week-end de septembre. Et c'est en même temps ce qui signe la fin des vacances. Et c'est en même temps ce qui signe la rentrée. Tu sais que là, tu vas t'amuser et qu'après, on retourne à l'école. J'avoue que je reprends le 11 septembre, donc j'ai encore un petit peu de temps, on va pas se mentir. Je profite de mes derniers instants d'été malgré le temps horrible. Il fait que pleuvoir et normalement ce week-end il est censé faire beau. En attendant, je me prépare. Moi, je vais taffer aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu mon travail, qui selon moi est vraiment le meilleur job étudiant / job d'été. En gros, je prépare la rentrée. En fait, je travaille dans tout ce qui est manuel scolaire. Le meilleur job étudiant parce qu'en fait, tu travailles 3 semaines, t'as un mois de vacances et tu retravailles 3 semaines. Je viens de rentrer, il est 16h20. Du coup aujourd'hui j'ai eu une petite journée, en vrai j'ai pas beaucoup taffé. Comme je vous ai expliqué ce matin, là on est dans la période où en fait on va dans les établissements et on redonne les livres. Et en fait là on a fait du coup des primaires, donc il n'y a pas beaucoup d'effectifs. On a terminé une heure plus tôt, donc on est rentré chez nous plus tôt et ça fait plaisir. Il est 17h49 et je m'en vais courir. 1er septembre c'est un peu comme le 1er janvier finalement. Du coup là vu que j'ai le temps et que ma mère est rentrée tôt, donc j'ai la voiture, je pourrais aller courir à l'hippodrome. Et voilà quoi, c'est parti. La base, ce vlog c'est pas trop un vlog de rentrée, c'est surtout un vlog de la braderie. Puisque du coup à partir de ce soir la braderie commence. Il est 18h35, j'ai fait 5,01 km en 30 minutes. J'aurais clairement dû mettre un short parce que j'ai vraiment très 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 chaud. Il est 23h10 et l'objectif a été atteint puisque j'ai trouvé mes verres Aperol Spritz. La braderie elle commence toujours le vendredi voire le jeudi. Le vendredi les stands ils sont déjà mis et le soir beaucoup de gens commencent déjà à brader. Du coup en rentrant d'Italie je m'étais fait la promesse que j'irais me trouver des verres Aperol Spritz à la braderie. Et du coup j'ai eu mon petit lot de 6 à 20 euros, donc c'est le prix en fait. Et je me suis pas fait arnaquer mais en même temps j'ai pas fait d'affaires puisque c'est vraiment le prix qui existe sur le site. Sur ce, je vais aller dormir. Je regarde même pas le dernier vlog d'août. Je vais le savourer encore plus demain matin au petit déj. On se retrouve là où je vous ai laissé hier soir. Il est 8h46. En vrai, je suis réveillée depuis une heure. J'ai pris mon petit déj et tout. Je commence à aller me préparer pour aller profiter de la braderie partie 2. Du coup, je pense que ce matin, on va aller refaire un tour tant qu'il n'y a pas trop de monde. Ce midi on mange à la maison jusqu'à 17h parce qu'à 17h j'ai un petit entretien. Et après avec mes potes on sort. Il est 16h23 et là je vais me préparer parce que du coup à 17h j'ai mon entretien. Et après mon entretien je sors avec mes copines. Je sors d'une heure et demie de sieste. Regarde, j'ai comaté, j'ai fait une heure et demie de sieste, c'était incroyable. Et c'est de la vraie scoop, potentiellement en même temps. Du coup, Clara, elle vient à 18h déposer ses affaires. Ils dorment à la maison avec Lisa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un matelas là par terre pour une des filles qui dormira. Il y aura une des filles qui dormira avec moi, du coup. Alors pour ce début de la soirée, on s'arrête à McDonald's pour manger des frites. Comme d'hab. Bourré.
outfit numéro 2 pour ce deuxième jour de braderie. C'est parti pour le Get You Ready With Me.